Bon, la belle-mère vient-t'en, là, on va se préparer là, pour ton rendez-vous, là. Ben oui, t'as peur, je vais écouter ça, là. On n'a pas le temps de niaiser. Viens-t'en, faut t'arranger les cheveux. Oui, t'as un petit peu, là. T'étais pas prête tantôt, ben là, je suis pas prête, moi, non plus. OK. Viens m'aider, là. Je suis gelée, demande mon linge, là. Je vais vous mettre votre veste, là. Oui. Mais pour ce que vous payez ici, là, on s'entend? Habillez-vous. OK. Arrête de me pincer, là. Je te pince pas. Non, on va avoir des bleus partout, là. Arrête de te plaindre. Hey, ça va faire, là. Assieds-toi qu'on te peigne, là. T'es trop bien pas pour aller à ton rendez-vous comme ça, là. T'es tout échevelé. Ils vont dire quoi? Ils vont penser quoi de nous autres? Qu'on prend pas soin de toi? Oui, j'haïs ça quand tu me peignes. Tu me fais mal. Je te fais pas mal pantoute. Si t'es pas contente, t'avais rien qu'à t'organiser tout seul. Ben oui. Ouch! Tu me fais mal. Arrête donc de te plaindre. Oui, mais tu me fais mal. T'as juste à aller te plaindre à ton fils. On verra bien laquelle des deux qui va croire, voir si ça va être moi ou ça va être toi. Lorsque l'intimidation se produit dans une relation de confiance, elle devient alors une forme de maltraitance ou un moyen de perpétrer la maltraitance. Ouch! Si vous pensez en être victime, il y a des ressources qui existent pour vous.